Merci beaucoup. Je salue toute l'église ce matin dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je crois que vous allez tous bien. I believe you all doing. Saluez la personne qui est à tes côtés. Greet the one standing by your side. Et dites-lui quelque chose de bien. Dites-lui quelque chose de bien. Tell him something good. Merci. Thank you. Nous nous sentons si bien. We feel so good. Asseyez-vous. You may be sitting. J'appelle le docteur Kalumbu JP. I'm calling the doctor Kalumbu. Avec JP. Le bébé pour que nous puissions le consacrer au Seigneur. With the baby, so he may be consecrated to the Lord. Entre-temps, la sœur Myriam avec le frère Lévi. Meanwhile, the sister Miriam with the brother Levi. Ils vont se préparer pour être vus ici. They're gonna get ready to come up to the platform. Avancez. You may come forth. Le docteur JP et vous chantez Amen. 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 Les petits âges. Merci. À notre Seigneur d'avoir donné au docteur Kalumbu un beau bébé. Celui-là, c'est un blanc. Hein? Je crois qu'il a recopié son père quand il était jeune. Hein? Merci, le Seigneur les a bénis, il leur a donné un beau bébé. Et nous allons le consacrer. Il s'appelle comment? Pardon? Oracle Junior. Oracle Junior. Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Lord Jesus Christ our God. Je viens avec Oracle Junior ce matin devant toi. I come with Oracle Junior in front of you this morning. Comme la Bible dit, amenez les petits enfants vers moi. As the Bible says, bring the little children in front of you. Parce que le royaume des cieux est comme ce qu'il ressemble. God's kingdom of heaven is like those. Je mérite consacrer Oracle Junior entre tes mains ce matin, Seigneur. I consecrate Oracle Junior into thy hand this morning. Soit intouchable. May the child be untouchable. Tous ceux qui vont le regarder avec un mauvais œil ne le voient pas. All who look with evil eyes may not see. Qu'Oracle Junior soit le porteur des bénédictions pour son père et pour sa mère. Oracle Junior be the carrier of love for his father and mother. Et qu'il soit revêtu d'une onction spéciale. And be dressed from a special. Si un demain, c'est un lendemain, Seigneur. If there is a coming tomorrow, Lord. Que ce bébé soit à ton service. Let the child be at your service. Et donne à son père et à sa mère de l'argent. And provide on the father and the mother the money. Afin de l'élever dans la grâce divine. In order to raise him into the divine grace. Oracle Junior. Oracle Junior. Moi, serviteur de Dieu très haut. I servant of the Almighty. En ministrant avec votre père et votre mère. Joining your father and mother. Nous vous donnons à Dieu. We commit yourself to God. Sois un exemple pour tous ceux qui vont vous regarder. Be an example for those who are going to look unto you. Et que tu apportes dans ta vie, dans ton témoignage, beaucoup de âmes au Seigneur. May you bring in your life testimony many souls to the Lord. Je le consacre au nom de Jésus. I consecrate in the name of Jesus. Que la colonne de feu marche avec cet enfant, avec ses frères. Et avec ses parents. May the pillar of our work with the child, brother and sister and the parent. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Merci. Prends-moi une belle photo avec Oracle. Show the picture. Ah. Allez. Tu me prends une très belle photo avec Oracle. Venez les parents. Allez chanter. Merci. Que Dieu vous bénisse. Félicitations, maman. On a donné une offrande. Que le Seigneur vous bénisse. À Jésus. Acclamez très fort le Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. D'accord, il y a un autre. Ok, il peut venir. Anaël et Hans. Anaël et Hans, ils ont encore un autre bébé. Allez, venez.
l'école de dimanche est en train de grandir. Amen. Oh, ça va? Tu as grandi? Ça va? Merci beaucoup, Anaël. Que Dieu te bénisse, ma fille. Ah là là, un beau bébé. Sorry. Oh là là. Les bébés de mon Seigneur sont toujours belles. Alléluia. Là est le bébé de la prière. Dieu soit loué. Avancez. Il s'appelle comment? Christine. Seigneur Dieu, je viens consacrer Christine Merode entre tes mains. C'est toi qui as pensé à ce couple pour leur donner ce bébé, Seigneur. You provide a couple with a baby. Et je veux que le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, puisse protéger cet enfant. I want the Holy Ghost in the name of Jesus may protect the child. Et que tu puisses le conduire avec sa sœur tout au long de leur marche terrestre. And you may live with the sister along the walkly walk. Seigneur Jésus, que l'ennemi ne les voie pas, que l'ennemi ne les attaque pas. Lord Jesus, may enemy may not see and may not attack them. Environnez-le, Seigneur, par ta présence divine. Surround them by your divine presence. Et que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu dont je suis le serviteur, and the Lord Jesus Christ, the God whom I am, the servant, soit à jamais la protection de ses enfants. Be forever the protection of those children. Donnez-leur des jours heureux dans la vie. Give them happy day in life. Que l'onction du Saint-Esprit soit sur eux pour qu'ils soient des servantes du Seigneur. May the anointing of God be upon them so they may be the servants. Et si un lendemain, if there is a coming, qu'ils soient vraiment à ton service dans l'église. Let them truly be at your service in the church. Donnez à son père et à sa mère de moyens, de l'argent pour les élever. Give unto the father and the mother the means to raise them. Et je consacre ce bébé à toi. And I consecrate thy child unto au nom de Jésus Christ. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Allez, une belle photo. En principe, ça c'est pour le pasteur. Si ça passe bien, tu donnes ton pardon. Ok. Ah d'accord. Suivant, venez. Next please. J'aurai beaucoup des offrandes aujourd'hui. Félicitations, félicitations. Oh là là. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des beaux enfants. S'appelle comment? Hein? Eliel. Seigneur Jésus-Christ, Lord Jesus Christ, ce matin, je vous amène Eliel entre tes mains. This morning I bring Daniel into thy hand. Comme toi-même tu étais parti au temple au temps de Salomon. As yourself you went au temps de Simeon. On to Simon days. Les parents ont amené cet enfant ici. And the parents brought the child here. Je le consacre entre tes mains. I consecrate it into thy hand. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Unto the mighty name of Jesus Christ. Sois une grande bénédiction pour ce bébé. Be a great blessing for the baby. Si un lendemain, Seigneur, if there is a coming que tomorrow, cet enfant soit ton serviteur. Let the child be your servant. Je veux que l'onction du Saint-Esprit le protège. I want the anointing of the Holy Ghost protect. Qu'aucun sorcier ne peut voir cet enfant. Let no bad don't touch the child. Qu'aucune maladie ne peut attaquer cet enfant. Let no sickness attack the child. Seigneur Jésus-Christ, plane au-dessus de ce bébé. My Lord Jesus Christ, fly above the child. La journée tout comme la nuit. The day like night. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Almighty God. Pendant que je consacre cet enfant. As I consecrate the child. Il y a des frères et des sœurs ici. There is a brother qui cherche aussi des enfants. Searching also que for ces bénédictions tombent sur eux. Let the blessing fall. Quand ils sont en train de regarder cette consécration, when they're looking que les bébés puissent venir dans leur foyer aussi. Ils amèneront les enfants ici. And they will bring the child. Et nous les
consacreront pour la gloire du Seigneur. And we consacre it for the glory of God. Le papa et bénis la maman. Bless the father and mother. Donnez-leur tout ce qui leur manque. Give them everything they need. Que la paix règne dans ce couple. Peace rule in the couple. Au nom puissant de Jésus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Je le consacre à toi. I consacre it to you. Moi, ton serviteur. I, your servant. Ainsi que son père et sa mère. Upon the father and mother. Dans le nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Merci. Allez, c'est papa qui attrape. J'ai beaucoup des offrandes. Amen. Laissez ramener-moi tous les enfants. Comme ça, j'aurai beaucoup des offrandes. Merci beaucoup. Et nous appelons le frère Lévi et la sœur Myriam. We're calling the brother Levi and the sister Miriam. Ils ont fait des présentations chez les parents. They've been introduced to the parents. Et maintenant, nous allons les présenter à l'église. Now we're going to present them to the church. Pour un futur mariage. Allez, for a future wedding. Les jeunes frères. Comment je vois que les jeunes ne soutiennent pas leurs frères. Acclamez d'abord, acclamez très fort. Béni soit le nom du Seigneur. La sœur est où? Si elle ne vient pas, elle sera remplacée. Ah, ok. Il me faut cet amour. Cet amour divin, il me faut cet amour divin, oh, il me faut cet amour divin, il me faut cet amour pour vaincre l'ennemi. Le péché, il me faut pour vaincre la Odyssée, il me faut cet amour divin, oh, il me faut cet amour. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Je vous présente la sœur et le frère. Present the sister and the brother. Ils se sont aimés. They love each another. Et ils ont vu les parents. And also the parents. Ils ont déjà fait vraiment le plus grand pas chez les parents. Already done the first step to the parents. Et je n'étais pas là. And I was not around. Il fallait que le pasteur les présente ici. The pastor had to introduce them here. C'est pourquoi je vous les présente. That's why I present them to you. Quand vous les voyez, ne les soupçonnez pas. When you see them, have no suspicions. À condition qu'ils soient dans les endroits où nous ne pouvons pas les soupçonner. To the condition they stand the place we cannot have cautious. Mais dans les coins et les recoins, là, c'est on va soupçonner quand même. But in some corner, you have some fault about it. Amen. Amen. Si on les voit sortir d'une chambre d'hôtel, par exemple. See them, for example, getting out of a hotel room. On dit, frère, ce n'est pas encore la fête de noces. The brother is not yet to face off. Mais je crois que ce sont des chrétiens. I believe they are Christians. Et ils tiennent bon. And they're holding still. Je préfère voir des jeunes se marier. I prefer seeing young folks getting married. Que de voir les jeunes forniquer. Then seeing young folks fornicating. Ça fait très mal à un homme de Dieu. It hurts a man of God. De voir que les gens refusent de se marier mais ils veulent se forniquer. See people refusing to get married but preferring donc, to fornicate. Courage, ma fille. Then courage, my daughter. Et courage mon fils. And to my son. Je veux que l'église leur accorde une pluie des acclamations. Put your hands together. Allez, une photo.
Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix, acclamez. Oh, cet amour divin. Merci beaucoup. Thank you very much. Et je crois que tout le monde est au courant. And I believe everyone is aware of que notre frère Billy Paul. That's our dear brother Billy Paul. Le fils de notre prophète William Marion Branham. The son of our prophet William Marion Branham. A traversé, je crois, depuis le mercredi, l'autre côté. Has crossed since the Wednesday from the other side. Pour ne pas dire, il est mort parce que les chrétiens ne meurent pas. Not to say he has died because Christian does not die. Amen. Et avant de mourir, before dying, il a eu un songe très merveilleux. He had a very wonderful dream. Où il a vu, il était en train de marcher sur un chemin, une voie. Where he was walking on a path and he saw. Et il y avait une grande rivière qui était là. And a great river ahead of him. Et quand il a jeté le regard de l'autre côté. And when he cast his glimpse from the other side. Il a vu Frère Branham qui venait à sa rencontre. He saw Brother Branham coming to meet up with him. Et Frère Branham a dit Billy Paul. And Brother Branham said Billy Paul. Et je vois que tu es trop fatigué maintenant. I see that you look tired now. Et venez, nous allons marcher ensemble. Come, we're going to walk together. Et après quelque temps. And after a few times. Frère Billy Paul. Brother Billy Paul is gone. Ben, c'est un homme qui a été présent. It's a man who's been present. Qui a fait les grands miracles que Dieu a fait dans la vie de Billy de Branham. Who saw the great miracle that God did into Brother Branham. Témoin oculaire. And you know, an ocular. Il a vu l'ange du Seigneur avec ses yeux comme je vous regarde. He saw the angel of the Lord with his own eyes like I'm seeing you. Parce que il avait demandé à son père si l'ange du Seigneur peut lui accorder la grâce de le voir. Because he asked unto his father if the angel can grant you the grace to see. Frère Branham est allé lui demander l'alliance. Brother Branham went to ask an offering to him. Dieu a dit, je peux le voir. And God said, I can see him. Et vous voyez Billy Paul là-bas avec la colonne de fessure au-dessus de lui alors qu'il était en train de couper les ongles. And you see Billy Paul with the pillar of fire upon him, he was cutting his nail. Et c'est la même colonne de feu qui était sur, derrière moi pendant que je prêchais les sept sceaux. Some pillar of fire behind me when I was preaching the seventh seal. Et je tirais ça, n'est-ce pas, le frère qui a envoyé ça à l'internet. And I tracked into the brother of saying to the internet. Et je dis que je dois quand même montrer ça à l'église. And I say I may show to the church. Et les gens disent, mais frère, il faut que la colonne de feu avec le pasteur Missongondo amène ça aux États-Unis pour qu'on puisse tester ça par les savants. And people say that you must send it to the United States or maybe test it. Mais la colonne de feu avec Billy Paul, on n'a pas amené ça pour tester. And I say, what about the pillar of fire with Billy Paul? Alors que lui, il est aux États-Unis.
though he is United States yet. Et les gens balancent ça partout là. Voilà l'homme de Dieu, Billy Paul avec la colonne de feu. Dieu aujourd'hui est en Afrique. And people gossip while God today is in Africa. Donc notre frère Billy Paul a traversé l'autre côté. Là, il est dans la au salon, n'est-ce pas, des arts de Frère Branham. Vous voyez les animaux là. Ce sont les animaux que Frère Branham a tués, hein, les trophées de son ministère de chasse, et il les a placés partout là-bas. Il y en a beaucoup. Though you see Billy Paul in the midst of all the trophies of hunting of Brother Branham. Et Frère Branham avait au moins 50 fusils. And Brother Branham had at least 50. C'est un chasseur vraiment d'élite. Hein? He was a very special hunter. Et il m'a misé, il dit, je vais aller à la chasse. And he said, by joking, I'm going to go to hunt. Je suis allé demander l'autorisation, le visa pour aller chasser en Afrique. And I want to ask, you know, the visa to go to hunt in Africa. Et on m'a refusé le visa. And they refused the visa. Il dit, bon, qu'est-ce que je dois faire? Non, il voulait aller comme missionnaire. Voilà. He wanted first of all to go as a missionary. Et on a refusé de lui donner le visa comme missionnaire. And they refused to give him, you know, the Et visa. Il est allé demander l'autorisation pour aller à la chasse. Now he want to ask authorization to go hunting. Il a pris sa Bible. And he took his Bible. On lui a accordé l'autorisation. And they granted him the permission. Quand je suis arrivé en Afrique là-bas, j'ai fait la chasse seulement 2 jours. When he went to Africa, he hunted only for 2 days. Après, un frère m'a appelé, venez prêcher ici. After a brother called me, come to preach here. Venez prêcher là-bas. And come to preach there. Et je bénis le Seigneur pour ça. And I bless the Lord for it. Et beaucoup de gens disent que Frère Branham avait dit que Los Angeles ou bien Billy Paul ne mourra pas sans voir Los Angeles aller sous les eaux. And many people remind that Brother Branham said Billy Paul won't die without seeing Los Angeles going in the water. Ce n'est pas une citation de Frère Branham. It's not Brother Branham quote. Et c'est pas ce que Frère Branham avait dit. That is not what Brother Branham. Il a dit à Billy Paul, tu ne mourras pas de vieillesse sans voir les requins ici dans la côte de la Californie. He said unto Billy Paul, you won't die in a whole day without seeing the shark. Et après, Frère Branham a prédit que Los Angeles irait au fin des eaux. And after Brother Branham foretold, Los Angeles will go beneath the water. Parce que Los Angeles porte le nom de Capernaum en hébreu. Because Los Angeles bearing the name of Capernaum in Hebrew. C'est le même nom d'Angleterre. And it's the same name of England. Amen. Amen. Donc les gens qui veulent retourner dans le monde. Être rétrograde parce que Los Angeles n'est pas allé, je crois qu'ils ont mal compris Frère Branham. The people want to be backslid because they misunderstood Brother Branham. Mais du vivant de Billy Paul, au moment où nous parlons ici, il y a tellement de eaux qui sont rentrées sous Los Angeles. D'ailleurs, on a même trouvé un volcan sous Los Angeles et ils ont remarqué, les hommes de science, que les requins qui étaient très éloignés là-bas, les requins blancs se sont tellement approchés à côté de Los Angeles. By the day of Billy Paul, they found the volcano and river beneath Los Angeles. C'est pour manger la chair des acteurs et des actrices, des influenceuses de Los Angeles. It's to eat the flesh of actors of Los Angeles. Je comprends pas comment quelqu'un peut avoir l'idée d'écrire sa fonction. Ou bien ce qu'il fait, elle est influenceuse. Ah, comme someone brings such, you know, a profession. Je crois qu'il ne va pas vous influencer. And I believe he won't influence you. Amen. Amen. Donc, Los Angeles est sous les secousses. Therefore, Los Angeles is under shaking. Et Frère Branham dit que ça tombera. Je vous en parlerai tout à l'heure. And I will talk about it later on. Et Billy Paul a vu les requins venir. Billy Paul saw the sharks coming up. Parce que ça se parle partout dans, n'est-ce pas, dans les télévisions et à l'internet. They're talking about in the internet. Et Billy Paul a traversé la rivière. And Billy Paul crosses the river. Frère Branham est venu le prendre. Brother Branham came to take him. Il est parti à la maison. And he went home. C'est ça la chance, la grâce que vous avez. This is the grace that you have. Quelqu'un vous attendra là-bas. Someone will wait for you over there. Pour vous indiquer le chemin. To show you the way. Amen. Amen.
Je suis pentecôtiste aujourd'hui. I am a Pentecostist today. Je suis baptiste. I am Baptist. Je suis catholique. I am Catholic. Je suis protestant. I am Protestant. Mais qui est ton messager? But who's your messenger? Qui est ton messager? Who's your messenger? Dieu a envoyé qui pour te faire sortir du péché? Who did God send to cast you out of the sin? Mais nous avons quelqu'un là-bas. But we do have someone over there. Il nous montrera le chemin. He will show us the way. Et Billy Paul, nous vous disons, allez en paix, notre frère. And we say unto Billy Paul, forward, go et to peace. Et dans quel temps nous allons nous retrouver? And in free time to come. Ce n'est plus pour longtemps. It's no more for long time. Et nous allons nous revoir. And we're gonna see again. Alléluia. Amen. Alors nous chantons quelque chose. Let's sing something then. En mémoire de Billy Paul. In the memory of Billy Paul. J'ai regardé au loin, au-delà du Jourdain. Venant ma mère à la maison. Dis à Billy Paul, je reviendrai aussi. Venant ma mère à la maison. Sweet Lord. Sweet chariot, come in and take me home. Jesus, sweet chariot, come in and take me home. Jesus, sweet chariot. Bring on my midday at the mess. Sweet Lord, who shall you? Come down on my midday at si tu entrais là-bas, avant mon arrivée, une homme emmenée à la maison. Billy Paul, que reviendrai-je aussi? Comme un anneau, sweet. Alléluia. Amen. Et le pasteur Baruti a perdu aussi sa fille. And the pastor Baruti also lost his daughter. On appelle la sœur Missy Baruti. That we call sister Missy Ruti. Alors, dans ce mois ici, nous avons deux malheurs. Then in that same month. Et nous chantons aussi, dis à la sœur Missy, je reviendrai aussi. Also say to the sister. Si tu entrais là-bas avant mon arrivée, oui, venant m'amener à l'éhon. Dieu a servi Missy, je reviendrai aussi. Nous allons nous tenir debout pour une minute de silence. Let us stand for a minute of silence, please. En mémoire de la sœur Missy Baruti et de Billy Paul Branham. The memory of both. Pendant que vous êtes silencieux, pensez que demain après-demain serait ton tour. Think that tomorrow is gonna be your turn. Il faut être sûr de rencontrer le Seigneur. We must be sure to meet up with the Lord. Merci, que Dieu vous bénisse. Thank you, may God bless you.